Ah bah là je pour là, c'est sa première fois que sur une île 3 comme ça je suis autant mais je pourrais largement détruire un camp, ça changerait rien, je pourrais tellement recruter, je suis rentable à fond, là je sais pas comment. Si je perds, c'est que je fais une erreur monumentale hein. Je peux monter tous mes murs, toutes mes tours là, je serais encore rentable quoi. Et si je détruis ça, j'aurais peut-être un quatrième campement, on va voir. Enfin, un quatrième champ qui serait utile. Enfin, ça c'est. Enfin, je peux me le permettre en fait de mettre des tours de partout pour m'assurer la défense si un gros troll vient à passer. Ok, on sera attaqué côté. De l'autre côté. On a les champs qui sont rentables comme c'est pas permis. Et la prochaine nuit de sang, c'est dans 2 nuits. Donc dans 2 nuits, je vais relancer une attaque pour qu'on détruise le dernier portail de l'autre côté. Et je pense qu'on sera bien. Portail est juste là, il faudrait. Ouais, non, en fait, j'ai même pas besoin de le casser, en fait. C'est même pas. Il n'y a même pas de nécessité de le casser. Là, j'ai une partie, mais qui est une île qui est complètement pétée. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Quatre campements, c'est violent, hein. C'est vraiment violent. Et j'ai pas commencé le bateau en plus, hein. Je vais rajouter des archers encore. On va recruter, hein, de toute façon. On va commencer le bateau en soft et puis. Bon, on va se rentrer parce que là, après, ça devient dangereux si je m'éloigne trop. Je pourrais m'échapper, hein, le cerf est assez rapide, mais déjà là, je peux recruter 6 personnages à chaque fois. Tous les jours, je peux recruter 6 personnes, voire 8 si j'arrive, si je prends le point le plus lointain. Donc là, c'est enfin, la population a pu savoir qu'en faire, quoi. J'ai pas assez de maçons. Si, j'ai des maçons, mais ils vont même pas construire le bateau. Rentabilité.
Ah non, c'est pas les archers du tout qui manquent, mais c'est pas plus mal. D'un côté, c'est pas plus mal, parce que moi, je suis sûr de la gagner, cette map. Et de remporter ce qu'il me faut. Donc ça me va très bien. Je pourrais défendre avec tout ça. Et donc j'ai toujours normalement un paysan qui sait pas quoi faire, hein, c'est ça? Non, même pas, il est allé dans son champ, hein. J'ai deux paysans ici. C'est ça, et quatre de l'autre côté, donc je suis complètement rentable, quoi. J'ai une ferme qui est complètement rentable. Ou alors je me suis foiré sur une ferme. Bon, allez, on va prendre des archers supplémentaires. Allez, les gars, on va bosser. Et on va relancer une croisade. Non, elle est pas pour tout de suite, la croisade. Ce sera pas ce soir. On est quoi? Pourtant, on est jour 15. J'ai dû rater le. Bon, on va voir la prochaine lune de sang. On fera une attaque sur la droite pour finir de détruire la droite. Et là, on serait gratuit ici, quoi. Alors si je donne de l'argent à mon intendant, c'est juste pour le cas où. Faut savoir que donner de l'argent à l'intendant quand vous changez d'île, ça sert à rien. Hein, vous l'avez pas pour l'île suivante. J'ai testé. Sinon, ça serait vraiment trop pété. On est bien d'accord là-dessus. Parce que j'avais rempli mon château de pièces, hein, tellement je savais pas quoi en faire. Bon, eux, à mon avis, je les aurais pas, hein, mais c'est par juste par pur plaisir, parce que ça arrive pas souvent. Ouais, ils vont se faire attraper avant. Clairement, ils vont se faire attraper avant. Bon, j'ai perdu deux pièces, c'est pas très grave en soi. Ils ont à peine pris leur arc, ils me donnent des pièces et en plus je repose un arc derrière quoi. Excusez-moi du peu. Est-ce qu'il a été fait le... Ouais, il a dû être fait, donc tout va bien. La chute d'eau avec des lampes. Ah, c'est pour ramasser le cerf en fait. C'est là où se trouve le cerf. Mais comme j'en ai déjà un, je récupère pas le deuxième. Parce que ça me sert à rien, donc je change pas de serre. Les serres ont la même endurance, ont la même résistance, etc. Donc pas ou peu d'intérêt de changer de serre.
Bon, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Donc la lune de sang serait peut-être demain ou après-demain. Bon, tant pis. On va être bourrin. Faut qu'il traverse une grosse partie de la map. Mais tant pis. Ils vont faire preuve de courage et y aller. Ah bah là ils vont avoir de quoi dire bonjour parce qu'il va y avoir du monde là. Hein. Bon par contre j'ai peur qu'ils arrivent pas jusque là-bas donc j'ai peut-être fait une erreur dans le sens où là ils sont en route mais ils ont un gros chemin à faire quand même pour aller jusqu'au prochain portail. Et il est possible que la nuit soit tombée quand ils vont arriver là-bas. Donc ce qui veut dire que je vais perdre des chevaliers. Mais apparemment c'est bloqué, je vois que ça a l'air d'être bloqué, parce que le temps n'avance pas ou très peu. Donc est-ce que quand une croisade est lancée, le temps est plus court pour laisser une chance à la croisade le temps d'arriver? C'est possible, je ne sais pas. Ah, est-ce que là c'est en train de redescendre Ok. On va voir si ça passe. Sincèrement, je sais pas. J'ai peur que non, hein. Très sincèrement, j'ai lancé beaucoup trop tard. J'aurais dû le lancer au milieu de la nuit. Et c'est pas ce que j'ai fait. Ah. Vu le bruit, c'est réussi. Et on n'a pas perdu de. On a, semble-t-il, perdu personne. Lune de sang, forcément. Alors, on va manger un petit peu. Et on va aller assurer la défense de nos gars en. Ah non, pour l'instant, il aboie qu'à gauche. Donc à mon avis, l'attaque se fait qu'à gauche. Là, il y avait 4 hommes. Mais c'est quoi ce... Ok, le ponton. Lune de sang de l'autre côté. Donc là, on en a deux. Il va falloir clairement aller aider pour défendre de l'autre côté. Hein. Parce que là, je le sens pas bien du tout. À mon avis, on va commencer à avoir des gros trolls. Et là, j'ai pas suffisamment de tours de l'autre côté avant le portail pour faire quoi que ce soit. Donc je sais pas. On va voir. Donc voilà, on me demandait, hein, voyez, il y a le cerf, je peux tout à fait changer de cerf, mais bon, c'est le même, il a la même couleur, donc aucun intérêt de le changer, clairement. Apparemment, on a réussi à passer le jour. Donc la défense aurait l'air d'avoir tenu. Est-ce qu'elle a la chanson en plus d'avoir l'air? Ça serait bien.
Ça a l'air d'avoir tenu, parce que je vois deux drapeaux, deux blasons en tout cas. Donc on va se rendre de l'autre côté pour défendre. Allez, on va aider la défense parce que clairement je le sens pas bien du tout. Tiens, toi prends une pièce aussi. Et est-ce qu'on a bien nos trois chevaliers? J'en compte deux seulement. Ok. Donc non, j'en ai bien trois, c'est bon. On a tous nos chevaliers de ce côté-ci. Oh, allez, on va faire la défense. Enfin, on va aider pour la défense. On va mettre peut-être quelques pièces et on va voir ce qu'on tient. Parce que l'une de sang, ça va pas rigoler, hein. Et le problème, c'est que j'ai pas de tourelle avant. Et les tourelles avant, même si on peut perdre des archers qui sont dessus, c'est très utile pour écrémer les monstres. Donc, allez, deux lunes de sang. Enfin, l'une après l'autre. On va croiser les doigts. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé le ce qui permet aux archers d'être précis. Allez, Taillot. Ah là, c'est du forcing, là, hein, pour le coup. Parce que je veux voir détruire ce troisième portail et ça me permettra de savoir s'il y a des statues d'archers que je vais pouvoir monter à fond et qui me permettront de faire la défense. Allez les gars. Ok, ça a réussi, on va pouvoir avancer. Ok, bon, ça sert à rien. Malheureusement, on n'aura pas de portail d'archer. Donc là, il va falloir construire très rapidement. Très rapidement le bateau. Envoyer la croisade pour que là-bas au fond, on puisse partir en paix. On va éviter les ennuis, on va essayer de ralentir un peu pour que tout le monde puisse rentrer à la maison, sain et sauf. Tant que le chien n'est pas entre mes jambes, ça veut dire que j'ai un peu de temps pour moi. Quand il sera entre mes jambes, ça sera plus bon du tout, hein.
Allez, on va faire la défense ici. Et puis on ira construire le bateau, on rajoutera des archers bien évidemment. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a augmenté. Voilà, ils arrivent. On a augmenté les murs, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puisque les murs augmentaient. Oh là, non, ça, c'est pas bon. Bon, il n'y en a qu'un seul, donc c'est tout à fait jouable. En plus, il vient de se prendre des coups de. Ah non, il y en a deux. Oula, ça, c'est pas bon. Là, j'ai perdu beaucoup là pour le coup. Mais voyez l'intérêt d'avoir des gars qui sont en l'air, c'est qu'ils leur tirent dessus et ça leur fait des dégâts. Allez, encore les gars. Là, lui, je vais devoir l'embarquer. Et on va fuir. Là, je suis en train de perdre beaucoup d'hommes. Et ils vont au mur suivant. Ah, ça a l'air d'être réussi la défense. Donne-moi toutes les pièces que t'as, toi. Et on va faire des archers. Allez, donne-moi des pièces. Ah, il a pas l'air, hein. Ok. Bon, par contre, on a perdu. Ouais, c'est pas gênant parce que le bateau va dans l'autre sens. Donc, moi, ça me va dans un sens. Donc, normalement, la défense a réussi, mais. Ok. Mettre un mur ici déjà, ça sera pas mal. Toi, tu vas être recruté. On va recruter pas mal de monde ou remettre en tout cas du monde. Ça, c'est bon, merci. Donc, on a pu tenir, semble-t-il. Ce qui est pas un mal. C'est pas suffisant, mais c'est pas un mal. Il y en a beaucoup qui ont dû partir dans l'autre sens. Non, il n'y en a pas tant que ça. Je suis étonné. Mais voyez l'intérêt d'avoir pas mal de tours en fait, c'est que finalement les monstres n'ont pas pu avancer autant qu'ils voulaient. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est ce que j'avais pas fait les fois dernières, et forcément, ça m'a coûté la partie, tout simplement. Ok, certains m'ont récupéré des arcs de là-bas. Ok. Il va falloir faire la catapulte par contre de ce côté-ci pour qu'elle reparte. Ok, ça c'est bon.
Allez, on va lancer le bateau. Il va falloir recruter de l'archer, hein. Beaucoup d'archers. Ok, lui, bon, il s'est remis là, c'est pas grave, il est au château, il est plutôt bien défendu. Normalement, ça devrait aller. Voilà, le jour a tenu, très bien, la catapulte est en route. En plus, on s'est battu sans la catapulte, donc c'est que ça s'est très bien passé. Et je vais faire des murs. Par exemple, voyez un mur ici, ça serait très bien, puisque ça ferait en sorte, en fait, que toutes les tours qui sont avant vont tenir et je vais pouvoir... massacré, vraiment. Ok. Le mur a été détruit finalement? Non, il a tenu. Donc très bien. Il faudra être précis, hein, là pour le coup. Là on est bon. Le deuxième mur, on va le faire à l'endroit que j'ai indiqué. Allez, mange. Ok, on a un nouveau qui part, on va lui mettre des pièces. Ok, la défense est bonne. On va rajouter des archers encore. On n'a jamais assez d'archers. C'est la première fois que je construis un bateau aussi vite, hein, clairement. C'est limite là, j'ai pas le temps, hein. Faut construire. Ok, on a bientôt fini le bateau. Ok, il n'y a plus qu'à lancer. Donc, maintenant, le bateau à l'eau, une fois qu'il sera fini. Voilà. Ils vont commencer à pousser. J'ai 4 archers qui vont partir. Et on va envoyer les croisades de ce côté-ci. Parce qu'on n'a pas besoin hein, de se défendre de ce côté-là. Ça sera très bien. Et au moins, je vais assurer. Après, je prendrai le petit vieux. Le boulanger, je le prendrai avec moi. Bon, celui-là, c'était pas nécessaire de l'augmenter, mais je le fais par plaisir.